Titre ce matin, c'est Donald Trump mis en accusation par l'opposition démocrate aux États-Unis. Le vote a eu lieu cette nuit et comme prévu, procédure d'impeachment votée contre le président américain. 230 voix pour, 197 contre. Trump accusé d'avoir tenté de corrompre les autorités ukrainiennes afin qu'elles enquêtent sur Joe Biden, possible rival pour l'élection présidentielle l'année prochaine. Et le cinéaste Michael Moore, opposant à Trump, était présent à la Chambre des représentants. Sonia Dridi a pu l'interroger en exclusivité pour Europe 1. Eh bien, nous avons quelqu'un à la Maison-Blanche qui est une menace pour le pays et pour le monde. Donc, c'était vraiment un grand jour, un grand moment. C'est l'une de ces fois où on est vraiment fier d'être américain. Donald Trump fustige, lui, je cite, la haine des démocrates. Ils veulent annuler le vote de millions d'Américains, poursuit-il. La suite, justement, c'est un procès en janvier au Sénat, une assemblée aux mains des républicains. Les sénateurs ont déjà fait savoir qu'ils déclareraient Donald Trump non coupable.